Alors, je profite d'être pas très loin du Canada, au Groenland, sur la route du Canada, pour vous dire que si jamais vous avez apprécié l'épisode de Faut pas rêver en Acadie, comme moi d'ailleurs j'ai apprécié ce très beau voyage sur ce petit bout de terre, un petit bout de terre francophone, perdu dans un océan anglophone, auprès de cette famille qu'on a un petit peu oubliée, vue de France. Alors que c'est un lieu où on se sent très bien, où il y a une sorte de bienveillance qui règne, où on sent que là-bas les gens se serrent les coudes, il y a une unité. Si vous avez envie de retrouver cette ambiance-là, eh bien il y a un moyen de le faire sans faire trop de kilomètres, c'est d'aller cet été, au mois d'août, entre le 8 et le 15 août, en Normandie, sur la côte de Nacre. Vous pourrez participer à la semaine acadienne, c'est un joli moment et un grand voyage, pas très loin de chez nous. À très vite. Il y a dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada des tas de gars, des tas de femmes qui chantent dans la même langue que toi. Mais quand ils font de la musique, c'est celle de Rufus Thibaudeau. Ils rêvent encore de l'Amérique qu'avait rêvé leur grand-papa, qui pensait peu, qui pensait pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les deux langues. Sont américains et sont américaines, la faute à qui dans la faute à Napoléon. Coton si doux, ce blanc c'est chouette pour se mettre de la crème sur les joues. Mais ceux qui en font la cueillette finissent la journée sur les genoux. Alors s'en vont faire de la musique comme celle de Rufus Thibaudeau, pour oublier que l'Amérique c'est plus celle de leur grand-papa. Ça va changer depuis ce temps-là. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les golands. Sont américains et sont américaines, la faute à qui dans la faute à Napoléon. Ils ont bossé 6 jours de fil pour une poignée de dollars dévalués. Ils montent dans la vieille Oldsmobile et foncent à la ville d'à côté pour écouter de la musique, celle du grand Rufus Thibaudeau, et pour repeupler l'Amérique à la manière du grand-papa. Y'a plus que ça qui ne change pas. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont chanter, vont danser sur les deux langues. Sont américains.